Bonjour et bienvenue sur Dark Cooking. Je fais ça pour vérifier que j'ai bien du son dans le casque et que donc ça enregistre. En fait, il faut que vous sachiez que les deux derniers épisodes, normalement vous devriez savoir si vous suivez la série, mais si vous ne suivez pas et que vous avez touché cet épisode au pif, je sais pas, parce que c'est peut-être le dernier, on sait pas. Je ne sais pas pour l'instant si c'est le dernier. Les deux derniers épisodes, mon PC a fait une mise à jour et a donc supprimé le micro de mon casque. Sincèrement. Et du coup, normalement, je devrais avoir le son de la webcam. Sauf que non. Parce que je l'ai désactivé. Du coup, le jeu, enfin, la cons le PC a considéré qu'il n'y avait pas à avoir de micro pour mon let's play, hein. Et donc a décidé que bon bah tant pis, hein, il n'a pas de son. Du coup, comme j'ai pas enregistré comme je le devais, je vais devoir demain faire les sons moi-même à la bouche, réenregistrer tout, enfin, c'est-à-dire enregistrer le son, si je vais mettre les vidéos en lecture vidéo, appuyer sur play et parler pendant que j'étais supposé parler, et essayer de me souvenir, et surtout traduire ce qui est écrit dans les boîtes de dialogue. Maintenant, on va faire ça. Je peux... Un bol. Une mystérieuse machine. Une flamme rouge. Cette bougie est beaucoup trop chaude à porter. Le mémo du marchand de sable disait qu'il fallait la bouillir avec une flamme rouge. Mais comment est-ce que je peux prendre cette flamme? Tu viens d'avoir des gants. Meuf. Fais pas sortir d'ici. Tu as des gants. Est-ce qu'il faut que je fasse... Attendez. Parce que là, on a la machine. Là, on a un pot. Si je sors, voilà, j'ai mis le liquide cryogène dans le pot. Et là, je vais donc. Putain, mais elle le fait maintenant, hein? Même la flamme n'est pas chaude du tout. J'ai juste porté la flamme elle-même. Elle le fait toute seule. La flamme rouge est sur le comptoir. Je vais moudre le fruit avec. Putain, mais fais-le du coup. Oui. Alors j'ai regardé un guide pour pas tout faire foirer. Et normalement, il faut que le liquide soit bleu.
Le fluide bout dans le pot. Quoi, tu sais tout? Est-ce que c'est prêt maintenant? Ça doit être la machine à faire du sable. Est-ce que je mets ce que j'ai dedans? Un bouton. Oui, appuie sur le bouton. Étant donné que je ne pouvais pas voir la couleur du liquide, alors qu'ils m'ont dit, il faut que tu regardes le liquide pour qu'il soit bleu. Mais là, le truc, il me dit rien. Une petite... Est-ce que c'est de la poudre de... J'espère que ça va marcher du coup, hein. On dirait que ça marche. Donc maintenant il faut aller me confronter. Au marchand de sable. Si j'ai bien compris. Oui, parce que j'ai vérifié comment on fait pour avoir la bonne fin aussi. Je suis pas débile, j'ai pas envie de finir ce let's play en mode oh non, c'est la mauvaise fin, il faut recommencer depuis le début. Re, donc normalement. La flamme émeraude. Je peux transporter la flamme avec ses gants. Maintenant que je l'ai, je peux aller là. Ah! Des escaliers. Large télescope. Regardez à l'intérieur. Bah c'est la ville! Et je peux voir mon monde de là! Est-ce que le marchand de Sam me regardait depuis ses débuts? Alors une peinture incomplète. On dirait un journal. Oh, j'ai si sommeil. Je ne peux pas le supporter. Combien de siècles est-ce que j'ai fait sans dormir? Une fois quand le monde était plat, quand la nuit est tombée une fois, je pouvais juste dormir une nuit. Je pouvais juste dormir la nuit et dormir durant la journée. J'étais tellement bien avec mon travail. Et puis maintenant que le monde est rond et la nuit est partout,
La nuit de l'autre côté, peu importe si c'est le jour. Pour un monde où la nuit est toujours en train de tomber, je ne peux pas dormir. Et si je dormais, eh bien, les humains ne dormiraient pas. Mon seul plaisir, c'était de voir que les humains dormaient. Maintenant, même moi, je ne peux pas vraiment l'apprécier. Si seulement je pouvais être, enfin, avoir un peu de sommeil. J'en ai eu assez. Je suis fatigué. Je ne peux pas m'empêcher de vouloir du sommeil. J'ai créé une machine pour arrêter le temps. J'arrêterai le temps pour les humains dans leur monde et je les mettrai tous dans leur sommeil pour toujours. Oui, mais seulement pour un petit moment. Seulement pour un petit moment. J'ai fini le sable de sommeil éternel. J'ai arrêté le temps et j'ai saupoudré le monde avec ma poudre. La plupart des humains sont tombés endormis, mais il semble que pas tous. Ceux qui sont mal à l'aise, en colère, tristes. À quel point peuvent-ils être tristes pour ne pas dormir? Je vais créer berceuse pour leur bien, pour le sommeil éternel qu'ils méritent. Je nettoierai le monde du fardeau des humains. J'en ai le droit, j'ai le droit d'être heureux tant qu'ils dorment. Cette stupide idiote de. Cette idiote de licorne a amené un visiteur dans mon monde, Sophie Grundler. Cette fille avec un sourire comme une déesse du soleil. Elle est aussi une des humaines insomniaques. Même ma création berceuse a été inefficace. Je dois la renvoyer dans le pays des rêves, de ce super pays des rêves bientôt. C'est ma mission. Marchand de sable. Tu es arrivée jusqu'ici, hein, Sophie? Est-ce que c'est toi, berceuse? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'avais plus besoin d'être dans cette forme maintenant. Bien sûr, je suis juste une berceuse. Donc je n'ai aucune forme. Il semblerait que quelque chose t'est arrivé, Sophie. Tu me toisais du regard avant, mais maintenant on dirait que tu as un regard un peu plus joyeux. Eh bien, c'est parce que tu ressemblais à David. Est-ce que tu me détestes maintenant? Non, non, je ne te déteste pas. Et David? Comment je pourrais le savoir? Berceuse, le marchand de sable avait des problèmes de sommeil, n'est-ce pas? C'est vrai. Il était tellement sérieux. Il ne savait pas quand faire une pause. C'est ce qui l'a amené à notre situation actuelle. Je me sens si mal pour lui. À quel point ça doit être dur pour lui. Insomniaque pour des siècles à cause des humains. Les fées sont des travailleurs durs. Donc, le marchand de sable ne pouvait pas dormir. Il devait rester réveillé et continuer de travailler. Berceuse, qu'est-ce que tu crois que je devrais faire? C'est à toi de décider, Sophie. Non! Je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas dormir pour toujours. Mais je ne peux pas l'arrêter. Le marchand de sable ne peut pas dormir. Il souffre toujours. Écoute, Sophie, est-ce que ta mère ne se disait pas toujours? Est-ce que fais ce que tu veux faire? Je sais ce que tu veux au fond de ton cœur. Et tu dois le réaliser toi-même. Qu'est-ce que tu veux? Je dois arrêter le marchand de sable, mais.
Le marchand de sable était dans le long corridor plutôt. Va le rencontrer. Je crois que c'est terminé, Sophie. Pense à ce que tu veux. Une lettre? Je peux le lire sans mes lunettes. C'est en anglais. À ma chère Miss Grundler, je présume que vous allez bien. Pendant que nous sommes rencontrés tous les deux beaucoup de fois, malheureusement, il semblerait que nous soyons incapables de nous comprendre. J'ai préparé un sable spécial pour toi. Bien sûr, avec ce sable, même toi sera capable de dormir. Je t'attendrai en haut du château. J'espère que tu ne t'enfuiras pas. Les escaliers sont très vieux et pleins de trous. Donc s'il te plaît, fais attention de ne pas te blesser, ma chère. Le marchand de sable. Marchand de sable. Ok, il semblerait qu'il faut que je fasse gaffe de ne pas tomber dans l'escalier comme un vieillard. Oh, j'en ai oublié un. Gamme OV. Death by Stair. Nye ! Pourtant, j'essaye de faire ce que je peux, mais j'essaye d'avancer, de tourner, mais ça veut pas. Oh là là, j'essaye de faire que l'épisode ne dure pas que 17 minutes. Non, je rigole. Mais vraiment, j'essaye de passer, mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a de quoi passer, mais non. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, là, par exemple. Là, moi, je pense qu'il y a encore un truc d'escalier, mais non, en fait. J'ai fait qu'un pas. Oh, fait chier aussi. Elle marche comme une savonnette. Je suis en train de péter l'ambiance over drama en mode. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est une musique qui a été écrite par Tenacious D. Voilà, c'est bon. Est-ce que tu parles anglais maintenant? T'as pas eu le temps d'apprendre au fil des siècles? Marchand de sable. What the fuck, what the fuck, what the fuck? J'ai entendu que vous n'étiez pas capable de dormir, n'est-ce pas? Je comprends. Moi aussi, je souffre d'insomnie. Et j'aimerais vraiment vous mettre, enfin, vous faire dormir aussi. Je me demandais à quel point ce serait bon pour vous d'oublier toutes les mauvaises choses et de dormir. Mais je ne veux pas dormir pour toujours. Je veux me réveiller même si ça doit être une mauvaise journée. Je suis désolé. Je ne peux pas comprendre, marchand de sable. Mais c'est la seule chose que je peux faire. Merde. Ouais, je suis morte parce que j'étais pas prête. Il faut savoir que c'est pas le bouton A, c'est le bouton Q. Et j'ai un petit délai de recharge.
Comment ça? Poudre dodo! Mais j'ai lu pour avoir la bonne fin, il faut le faire dormir avec la poudre dodo. Sinon, tu le tues en fait. Et toutes les mauvaises fins, c'est tu le tues. Ya. Tu rends la pierre à la licorne, tu le tues. Tu rends pas la pierre à la licorne. Tu le tues. Tu rends la pierre à la licorne, tu ne le tues pas. Bonne fin. Tu rends la pierre à la licorne. Tu ne le tues pas. Mauvaise fin. Bonne nuit. Marchand de sable. N'avez plus besoin de vous en de vous occuper maintenant. Faites un bon repos. Sophie! Tu fais dormir le marchand de sable? Je ne pouvais pas le tuer. Il en a fait tellement pour les humains, il voulait juste dormir. Combien de temps est-ce qu'il va dormir? Qui sait? Il était debout pour depuis des siècles. Centuries, attends. Non, centuries, depuis des millénaires. Peut-être qu'il dormira pour des millénaires aussi. Je vois. Qu'est-ce qu'il y a, Sophie? Peut-être que c'était tous ses efforts. Mais je me sens vraiment fatigué maintenant. Sophie! Oh, c'est pas bon. Oh, c'est pas bon. J'ai juste trop sommeil. Si je dors maintenant, je ne peux pas réveiller tout le monde. Est-ce que tous les humains vont mourir dans leur sommeil? Non, ils ne mourront pas. Le temps est arrêté pour eux. Ils vont juste continuer de dormir. C'est bien. Si je me réveille, je ne vais pas juste m'occuper des mauvaises choses. Je rendrai les coups à Regan et je dirai à Anne une chose ou deux. Et papa, je m'excuserai pour lui. Et aussi, j'essaierai d'être ami avec David. Je suis triste. Je ne lui ai même pas dit que maintenant on peut être amis. Je veux juste m'amuser avec lui. Je me demande si David pense à moi comme son ami. Bien sûr. Tu devrais savoir à quel point il est gentil. Il a échappé à un mec avec une tête tordue. Après ça, n'importe qui peut croire en l'humanité. Il y a tellement, tellement de choses que je voulais faire. Je veux penser à demain. Mais je suis trop fatigué pour rester debout. Maman? Je m'en doutais. C'est maman? Elle est rousse. Maman? Du calme, ma chère. Enfin, du calme, mon ange. Ce n'est pas un autre monde. Enfin, pas un autre mot. Il n'y a rien, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. N'aie pas peur des monstres dans le placard. Je serai là. Est-ce que tu as dit tes prières avant d'aller au lit? Mais je t'ai pas entendu les dire pour l'instant. Dis-les, Sophie. Ok. Bonne nuit, maman.
Est-ce que berceuse était ma mère ou est-ce que berceuse était juste berceuse? Parce que là, j'ai l'impression que berceuse était juste berceuse. Il est un beau. Non! Non, il va m'emmener, je suis un licorne pédophile! Il peut faire ça? Il est passé sous mon lit? Et voilà, parce que j'ai fait quelque chose de gentil, le marchand de sable a ramené le temps à la normale. Le matin? Est-ce que je suis de retour? Est-ce que c'était un rêve? Uniforme de loli. Papa? Est-ce que tu veux pas rester au travail? Ah, bonjour Sophie. Je travaillais, mais je me suis endormi. Je viens juste de rentrer. Hein? Mais attends Sophie. Il y a quelque chose dont tu voudrais me parler. Quoi? C'était quoi, cet appel de l'école? Je n'ai jamais eu d'appel d'une sœur Marie avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as fait quelque... Tu n'as rien fait de mal, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire, je ne sais pas? Écoute, Sophie, je... J'ai dit je ne sais pas! Ah. Je n'ai rien fait de mal! Pourquoi est-ce que tu t'es fait appeler? Pense-y! Mais c'est pas comme si tu savais. C'est vrai, tu pourrais pas le savoir. Parce que tu ne prends jamais attention à moi. Tu travailles, travailles, travailles. Tu ne passes jamais de temps avec moi. C'est quand la dernière fois qu'on a mangé ensemble? Quand est-ce que c'est la dernière fois que tu m'as dit bonne nuit ou bonne journée? Tu ne m'as jamais même fait ça une seule fois pour moi. Je ne suis pas un bon enfant. Je ne suis pas un bon enfant parce que je suis comment? À cause de mon égoïsme créé par toi. Parce que tu te pousses toujours encore et encore plus dur au travail. Sophie! Oh putain, j'allais lui raconter mon rêve comme quoi j'ai été bouffé par un dragon. Ah non, c'est pas bien, Sophie. Tes cheveux sont tout rouges. Est-ce que... Attends, c'était quoi déjà sa voix? Mais tes cheveux sont tout rouges. Est-ce que tu t'es cogné à la tête? Est-ce que tu saignes? Oh, c'est vrai, c'est ta couleur naturelle. Oh, suis-je bête? Est-ce que ta maison est construite sur une falaise ou quoi, Regan? Hein? Regardez-moi ces cheveux. On dirait que tu t'es battu contre une tornade et que la tornade a gagné. Mais si tu vivais sur une côte pleine de vent, ça pourrait expliquer quelque chose. Blow hard? Attendez. Comme par exemple, pourquoi tu es si vantarde? Mais pourquoi vous vous moquez de moi?
Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis la seule... Je suis la seule vers qui tu peux monter sur tes grands chevaux. T'as toujours été... T'as toujours été Regan, la babilleuse pleureuse. Arrêtez, vous deux! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu, mais que s'est-il passé? Miss Grunder! Miss Grunder! Miss Plumber! Vous venez toutes deux dans mon bureau immédiatement! Vous d'abord, Miss Grunder! J'en ai marre d'être ton sac de frappe. Tu te moques de moi? Tu te moques de moi? Tu le paieras au centuple. Et personne ne se moque des cheveux roux de ma mère. J'ai décidé que je vais m'occuper de mes propres problèmes. Je ferai ce que je veux à propos de... Je serai ce que je peux à propos de toutes les mauvaises choses qui m'arrivent. Et si tu faisais pareil? Et si tu dis que tu ne me putraliseras plus jamais, je serai contente de te parler. Comme au bon vieux temps. Sophie! Pourquoi est-ce que tu as dit tout ça? C'est si méchant pour Regan! Est-ce que ça t'importe vraiment, Anne? Je suis la seule qui se fait intimider. Je m'en fiche, Sophie! Pourquoi est-ce que tu ne fais que regarder? Tu disais que tu t'inquiétais, mais tu es toujours restée silencieuse. T'étais juste contente que ça ferait pas toi une cible, n'est-ce pas? Mais non! Je voulais m'aider, mais... Menteuse! Dis-moi la vérité. Dis-moi que t'étais trop effrayée. Sophie! Je suis désolé. Je suis celle qui... Je suis désolé d'être celle qui devait te dire ça. Que celle qui disait qu'elle allait bien et que tu ne devais pas t'inquiéter. Je voulais vraiment que quelqu'un m'aide. Mais je m'en suis occupé pour que tu ne t'inquiètes plus. Je pensais que tu ne serais pas mon amie. Donc j'étais la menteuse. Mais je ne fais plus ça maintenant. Je ne laisserai plus Regan avoir le meilleur de moi. Je renvoierai ses insultes et répondrai... Et serait présente si elle cherche la bagarre. Tu n'aimeras peut-être pas ça, mais si c'est d'accord avec toi, j'aimerais que nous restions amis. Damn, girl! Je suis tellement déçu de vous, Miss Grunder. Une bagarre au milieu de la classe, une jeune femme. En tant que jeune femme, vous devriez avoir honte. Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé moi-même, mais un tel comportement violent ne sera pas accepté de la part de vous. C'est ce qu'un ferait une petite fille. Est-ce que vous vous rappelez du passage de Job? Est-ce que vous vous rappelez du passage de Job à mon serment? Endurant la souffrance qui lui était de méritée. La dureté n'est pas une raison pour utiliser la force. Je ne suis pas un saint. Oh, mais c'était quoi ça? Je peux juste grincer des dents et l'encaisser. Mais est-ce que ça veut dire que je serai récompensé? De grands mérites? Et suis-je vraiment supposé...
vraiment je suis vraiment supposé subir tout ça pour ça? Eh bien non. Je n'arrêterai pas mes mauvais comportements pour être appelé un saint. Je ne veux pas être un saint, je veux juste être humain. C'est bien plus important que d'être capable de dormir la nuit. C'est bien plus important d'être capable de dormir la nuit. Je ferai tout ce que je peux, jour après jour. Et je dormirai pour pouvoir voir le lendemain. Est-ce que vous me répondez, Miss Crandler? Est-ce que vous pensez que c'est bien pour que c'est bien de faire comment de façon enfantine tout ce que vous voulez? Est-ce que vous croyez que Dieu approuverait? Et pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas être une enfant? Qu'est-ce que c'était? Le royaume des cieux appartient à l'un d'entre eux? Ne sortez pas ces écrits avec moi! Ce que je dis, c'est que votre attitude est... Oh! Je m'en fiche que Dieu ne se soucie pas de moi. Parce que depuis que je suis petite, je sais que j'ai quelqu'un qui veille sur moi. Oh, j'en parlerai à votre père! Il est certainement très occupé pour le travail, mais je ne peux pas laisser passer ça. Je vais avoir une très longue conversation avec lui. Faites comme vous voulez, ma sœur. Mais il ne sera pas disponible aujourd'hui. J'ai un rendez-vous important avec lui. Miss Candler! Oh, il faut que je pose du thé. Oh mon Dieu! Oh. Papa? Est-ce que tu n'es pas allé travailler? J'ai pris ma journée. Je vois. Sophie! Je suis désolé pour ne pas avoir réalisé comment tu te sentais. Je croyais que tu me détestais. Tu es en high school maintenant et je voulais être plus proche. Mais j'ai pensé que ça t'ennuierait. Je suis occupé au travail, c'est vrai. Mais je me suis convaincu que si je continuais de travailler, tu pourrais être heureuse. Mais je suppose que je me trompais. Je ne savais pas à quel point tu te sentais seule. Je suis vraiment désolé, Sophie. Est-ce que tu peux pardonner à ton papa? Je prierai pour le jour où je le pourrai. Sophie! Je suis désolée pour toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Je t'aime, papa. J'avais trop peur de dormir dans une maison vide. J'étais inquiète des choses qui se cachaient dans le placard, comme une petite fille. Je ne veux pas être seule. Papa reste avec moi. Bien sûr, Sophie, tu es ma fille précieuse. Aujourd'hui, c'est la fin d'une guerre froide entre nous. Et si nous allions manger quelque chose, Sophie? Désolé, papa. Tiens cette pensée. Il y a quelque chose que je dois faire. Vas-y, ma fille. Ah, putain. Qu'est-ce que tu fais? Je me suis endormi en endormant la télé chez toi. Et ma nuque me fait vraiment mal. Ça se voit. Ton cou a l'air tout... comment brisé. Ah. Référence. David! Hé, hey Sophie, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Oh, bien sûr, je devrais me... Oh, attends, je devrais te présenter. C'est Shirley, ma fiancée. Ravi de te rencontrer, Sophie. J'ai entendu parler de toi, de David. Bonjour, Shirley. Content de te rencontrer aussi. T'as l'air plutôt joyeuse.
Est-ce que quelque chose de bien est arrivé? Eh bien, il faut que je... Il y a beaucoup de choses dont je dois te parler. Beaucoup de choses sont arrivées et beaucoup a changé. Avec Anne, Regan et papa. Et aussi le marchand de sable. Le marchand de sable? On dirait que j'ai déjà entendu parler de ça. Est-ce que c'était pas... Mais c'est une fée, David! La fée du sommeil! Il utilise son sable pour endormir les gens. Eh bien, ça a l'air d'être très amusant, Sophie. Nous allons manger ensemble, est-ce que tu veux te joindre à nous? Tu pourras nous dire tout ça. Ouais, ça a l'air génial. Bien sûr. Bien sûr, allons-y. Je sais que l'épisode va être long, mais je m'en fous. Je dois finir ce let's play. Et donc c'est ça la bonne fin. À mon avis, les mauvaises fins, c'est juste que je m'endors dans un sommeil éternel, j'ai tué le marchand de sable, et donc personne ne peut se réveiller. Il nous observe. C'est ainsi que se termine l'histoire du marchand de sable. Inventé ? Bien sûr qu'elle ne l'est pas. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas ? Ah, c'est vrai, vous étiez endormi. Vous vous souvenez d'une nuit que vous semblez avoir duré une éternité. Cette nuit était la nuit où vous avez dormi pendant que le marchand de sable a tout arrêté. Maintenant, fermez vos petits yeux. Je vais vous raconter une histoire demain. Bonne nuit, mes chers petits. Happy end, don't stay up late at night. Don't stay up late at night. J'aime beaucoup les musiques de ce jeu. Alors, il faut savoir que ce n'est pas la fin. C'est la fin de l'histoire de Sophie. Mais il y a une autre histoire que je dois vous raconter. Celle du marchand de sable. Alors, je vais laisser défiler les crédits parce que c'est ce que veulent les développeurs. C'est vrai. C'est noté sur le site. Si vous faites un let's play de ce jeu, vous devez laisser défiler les crédits. C'est quoi je vais faire? Alors sincèrement, moi, je vais continuer ça. Alors, demain, moi, en tant que personne, je vais devoir refaire les dialogues sur les épisodes les deux épisodes précédents. Ça va être chiant et long. Mais voilà, je le ferai. Et donc, vous aurez la suite du let's play. Donc ici, c'est l'épisode final pour Sophie. Mais là, vous allez avoir donc une histoire avec le marchand de sable. Ou ce qui s'est passé pendant que Sophie, vous regardez le marchand de sable. Normalement, on devrait le voir dans le crédit ici. Ah non, ça c'est... Félicitations d'avoir vaincu, d'avoir fini le marchand de sable. Maintenant que vous... Merci d'avoir joué. Pour ceux qui ont joué au Crooked Man, nous avons un remerciement additionnel. Ce jeu est très différent dans toutes les manières de procéder. Nous excusons pour ceux qui voulaient un TMC dans notre Crooked Man-like story. Donc une histoire comme le Crooked Man. Mais j'avais prévu de faire ça depuis le dernier jeu. Je suis content que vous l'ayez terminé. Le Peu Importe Man series va continuer. Les histoires et les feelings... vont différer dépendant du main. Donc j'espère que les gens vont jouer au prochain. Encore félicitations et merci d'avoir joué. Oh ben, je suis une boule de jaune. Sophie Gundler, l'héroïne, blablabla, le papa. Richard Grumbler, Regan Blumberg, Anne Flanagan, David Hoover, le héros. La dernière fois, mais apparaît à la fin ici
Pense seulement à Sophie comme une jeune amie. Pas de motif ultérieur. La fiancée de David. L'encyclopédie des faits. Nixie. Il fait des hommes. Elle pense à sa fée. L'homme la fait des dents. Blablabla. La licorne. Plus beau en vrai que les glimmers. Le nain. La poussière. Le marchand de sable. Retournons au titre. Ah, je me demande comment je fais du coup pour jouer la version marchand de sable. Donc je verrai bien pour la prochaine fois. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo et à la partager. Je vous dis à la prochaine sur Dark Otaku Gaming. C'était Devil. À plus.